C'est un match que Franck Labois voulait organiser depuis 3 ans. Un match entre son équipe de corps et son équipe de cœur. Ce match, ce sont ses partenaires de glisse qui l'auront finalement organisé dans l'émotion. Une émotion en fait qui est en train de monter avant de monter sur la glace pour notre ami, parce qu'on va vraiment vraiment se faire plaisir en fait pour lui. Qui en fait, il avait vraiment deux familles, on va dire, dans sa vie. C'était la famille police et la famille hockey. Plusieurs centaines de personnes ont donc fait le déplacement. Beaucoup de membres des forces de l'ordre étaient présents. Un match qui a commencé avec une minute de silence en hommage à Franck Labois. Le coup d'envoi a été donné par sa compagne, elle aussi hockeyeuse. Un match sans enjeu sportif. C'est un match amical, hein. Le but c'est vraiment rendre hommage à Franck. Sur la glace, peu importe le score, le but c'est vraiment d'avoir tous une grosse pensée pour lui. Le match s'est finalement achevé sur le score de 7-13 pour les Sentinelles, l'équipe des forces de l'ordre. Toutes les recettes engrangées dans la soirée seront redistribuées aux proches de Franck Labois.